Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et aujourd'hui, je vais vraiment vous présenter du lourd. Vraiment. Non, j'arrête de dire des conneries puisque, bon, c'est un jeu très moyen, de la NES. C'est un jeu comme ça que j'ai sorti du placard et voilà. C'est Goal! Voilà, ils ont vraiment cherché pour le nom quand même. On peut jouer avec à deux joueurs, hein. On pouvait jouer simultanément, je crois. Mais bon, moi je vais jouer tout seul puisque je ne suis pas en accompagné avec mon cher collègue Fireflav. Attends, mais j'ai pas regardé quand il a été fait ce jeu. Je veux regarder quand il a été fait! Bon, bah c'est pas grave. Bon, s'en fout, c'est un jeu de foot, hein. Bon, vous allez... ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir l'un des premiers jeux de foot jamais créé. Ah, c'était pas les FIFA avant, hein. C'est différent. Graphiquement, ça change. Faut que ça change pas trop de FIFA 2003 sur GameCube. Et enfin bon, voilà. Bref, moi je vais choisir la France parce que, bah voilà. C'est mon pays et c'est ma nation. Et je suis fier d'être français. Et en plus, ce qui est fou, c'est que je suis contre l'Italie. Ça me fait penser à la finale de 2006, de la Coupe du Monde. Enfin, je crois que c'était en 2006. Mais bon. Je suis pas un footeux, donc je suis pas sûr. Donc voilà, c'est un jeu de foot basique avec les graphismes de la NES. Aïe, la pauvre petite NES là. On sentait que. Alors, bah, surtout quand même, c'est assez impressionnant ce que pouvait faire la NES là. Parce qu'elle peut diriger pas mal de CPU là. Ils sont au moins une bonne dizaine hein, sur l'écran. Donc c'est très impressionnant. Bon, je vous dis tout de suite, je me suis pas du tout entraîné, donc je risque de tout de suite perdre. Quel tir magnifique! Vous voyez que la maniabilité, bah c'est une maniabilité très rigide, hein. C'est ce qui fait la force de la NES. Je suis en mode galère. Bon, aussi, il y a une petite animation quand on marque un but, c'est assez impressionnant quand même pour de la NES. Vous allez voir si j'y arrive ou si c'est eux qui y arrivent. Hein, ça... Mais ça m'étonnerait parce que moi, je suis un dur. Là, par contre, c'est un peu bordélique comme vous pouvez le voir et je sais pas si je sais pas comment on fait les tacles. Bouton select, ça fait rien. Bouton start, c'est pause pour voir en même temps bah, les résultats. Combien de tacles on a fait ou combien de tirs, etc. Je pense que c'est ça, non? Et en même temps aussi, bien sûr, les buts. Enfin, je crois. Hein. On va regarder 2 secondes encore si je peux. Parce que là, c'est bizarre, je peux pas appuyer sur start. Pourtant, j'ai une manette qui marche très bien, que j'avais acheté il y a pas longtemps. Eh bien, first half, second half, final score. Eh bien, en gros, je pense que c'est à la mi-temps, quoi, le second half. Oui, bah, le second temps, quoi, après 45 minutes. Enfin, sauf que là, on va pas jouer pendant 45 minutes. On n'est pas des fous. C'est pas un vrai match, enfin d'habitude, bon là j'ai fait n'importe quoi, mais d'habitude dans les jeux de foot, eh bien c'est d'habitude 10 minutes hein, un match. Enfin après on peut régler, on peut même mettre un vrai match, mais bon là c'est vraiment long. 1h30, hein, je pense que 1h30 de jouer contre l'ordinateur, ça doit être un peu chiant au bout d'un moment. Voilà, vais-je réussir? C'est incroyable là! Le jeu est en train de laguer! En fait, quand je cours en diagonale, le jeu il lag. C'est assez fou. Ah, et aussi, on peut faire des tirs au but, je crois, oui. Il faut au moins que je trouve le menu tir au but. Car vous savez que je suis une merde en anglais. Oula. C'est n'importe quoi. Je viens de me faire prendre un but. Bon, vous allez voir la magnifique animation! Avec les supporters. Ils sont plus en carton maintenant, c'est des confettis. Et oui, les supporters ne sont plus en carton comme sur la GameCube. Ce sont devenus des confettis. Bon, si la plupart des jeux de NES que j'ai sur la NES, je vous ferai bah, sur. Mince. Je vous ferai sur ma vraie NES. Parce que c'est mieux que sur émulateur d'ailleurs. Et puis, même, je préfère avoir en main ma bonne vieille manette de NES. C'est plus jouissif.
Là, j'ai fait un tacle, mais je sais même pas comment j'ai fait, et là, je me suis encore pris un but. Bon, bah, comme quoi, c'est vraiment. Je suis vraiment une merde à tous les jeux de foot. Ça se voit. Bon, bah, voilà, vous voyez, first half, on est au first half, et. Je perds déjà 2-0. Aux premières minutes, tout simplement, et je perds déjà 2-0, c'est n'importe quoi. Et le jeu a planté. Ah non, c'est bon. Je sais pas, j'ai appuyé sur tous les boutons. Il voulait pas tout de suite passer à son pote. Bon, par contre, on peut pas savoir qui est Ronaldo, machin. Enfin, on peut pas savoir tous les joueurs là, non. Je pense qu'à l'époque, c'était assez difficile hein, de reconnaître les joueurs hein, sur la NES. Oula, j'ai fait un arrêt de psychopathe! Vous voyez, il n'y a que deux couleurs pour l'herbe, hein, donc c'est quand même très limité. C'est pas non plus l'un des plus beaux jeux de NES, mais bon. C'est quand même très impressionnant de voir que la NES peut gérer autant de CPU en même temps. Autant d'IA, si vous préférez. Car ils sont vraiment beaucoup là, à courir partout dans tous les sens. Donc voilà, c'est le truc qui m'avait assez impressionné. Bon, je pense pas que ce vidéo test, rétro test, sera très long. Déjà, je me fais laminer, je vous montrerai après les tirs au but, mais voilà. Voilà, il bouge comme un taré, lui! Oh non! Je sais pas comment je me suis démerdé. Bon, bah, vous voyez que voilà. J'ai marqué contre mon camp, c'est magnifique. Je sais pas comment je me suis démerdé. Et maintenant il y a l'autre joueur qui s'enfuit, il veut pas avoir la balle. C'est de mieux en mieux! Alors, on est vraiment une équipe très soudée. Bon, j'espère qu'ils jouent pas comme ça en vrai les Français. Ça fait peur sinon. Très peur. Surtout que s'ils jouent comme ça en vrai, ben, ils courront avec deux frames et un balai dans le cul. Et parce que bon. Quand on voit les joueurs, ils sont pas très bien animés, mais bon, en même temps, ils sont nombreux. Allez, arrête ça, moi! Arrête-moi ça! Bon, il a fait un espèce de plongeon, c'était pas très bien, mais c'est pas grave. Il fait un plongeon pour rien, le petit gardien. Bon, comment on passe, là? Bah, à chaque fois, je tire trop loin. Bon, il y a que deux boutons sur la NES, donc, hein, je peux pas me planter de boutons non plus. Putain, mais on est presque de la même couleur, c'est chiant. Allez, vite! Sprint! Et je vous ai pas dit, mais on peut faire des sprints. Non, je rigole. La bande, il est en train de ramer le jeu. C'est un truc de fou furieux. Bon, voilà. Je sais pas pourquoi, mais. J'ai l'impression que l'IA est beaucoup plus rapide que moi. Je n'arrive pas à faire courir mes joueurs très rapidement. Mais comment ils font les tacles d'ailleurs? Alors, moi, j'ai juste fait flèche vers le bas, il m'a fait un espèce de tacle. Que je comprends pas. Flèche en bas! Non. Moi j'en sais rien parce que je fais B, A. Enfin B c'est pour changer de joueur. Et A c'est pour bah, tirer quand on a la balle. Sinon il sert à rien ce bouton. Mais c'est très limité, hein, on peut pas faire grand chose. Et les tacles sont hasardeux. Car même avec le bouton select, bah, il n'y a pas grand chose. Bon, moi je vais quitter parce que ça me saoule. Okay. Mais j'ai pas envie de faire un reset. Parce que vous savez que ma NES, bon voilà, est très vieille et elle ne supporte pas qu'on fasse un reset. Bon voilà la fin du match, 3-0! Vous voyez les pop-up girls, incroyable! Bon, c'est quand même assez impressionnant de voir des sprites aussi gros sur la NES. Bon, c'est un peu long. Voilà. Une musique très répétitive et vite chiante, qui nous laisse pendant 10 secondes. Bon, sinon, au niveau de la bande son, bon, c'est classique, c'est bien. C'est pas mal. Mais bon, rappelons que nous sommes que sur NES. Ça va pas non plus être. On va pas non plus entendre des cymbales et tout ça, là. On va pas entendre tous les supporters gueuler. Enfin, voilà.
Là, je fais n'importe quoi. Je sais pas comment prendre la balle. En fait, je la prends que quand il tire n'importe où et je peux la prendre, quoi. Donc voilà, c'est pas terrible. Bon, vous me direz si vous aimez cette qualité, sinon, de vidéo. Parce que là, je filme avec une autre caméra qu'avant. Je filme plus avec ma petite 3DS et c'est mieux. Bon, au niveau du son, c'est peut-être un peu moins bien, je pense. Mais sinon, au niveau de la qualité, c'est un peu mieux. Ça clignote plus. Oula. Enfin, il y a des fois, ça clignotait pas avec la 3DS, mais c'est assez rare. Parce que là, je filme avec la caméra de mon portable. Incroyable. Mais bon, c'est pas n'importe quel portable, attention! Oui, je sais, je me suis quand même pris un Game Capture, hein. Heureusement, vous avez sans doute vu mes anciennes vidéos là sur GameCube. Rayman 3 par exemple, hein, vous voyez que c'est quand même une bonne qualité. Donc voilà. C'est juste que la NES est trop ancienne, encore une fois, et je peux pas filmer. Voilà. Je peux pas capturer. Parce que j'ai pas non plus un câble HDMI de la Game Capture sur la NES là. Ça serait assez bizarre. Oula, j'ai pas trop compris comment il a récupéré la balle, mais c'est pas grave. C'est quand même assez long, hein, ces minutes. Je sais pas si ça me semble plus long que sur GameCube. C'est pas plus de 10 minutes là? Ah, si, on est à 11 minutes quand même. Ouais, c'est 20 minutes, je crois, le match. On va laisser tomber. Je vais faire un reset. En espérant que ça marche. Ouf! Peut-être parce que je suis en vidéo et j'ai de la chance. Bon, vous voyez que je suis une grosse bouse à jouer, ça me saoule. continue, bah ça c'est pour continuer. Bah je sais pas à quoi ça sert, parce qu'il n'y a pas de sauvegarde sur la NES. Enfin bon. Tournament, bah un tournoi. Shoot, compétition, je crois que c'est ça. Et on peut voir que les joueurs sont un peu plus grands là, ils ont un sprite un peu plus grand. C'est peut-être parce qu'en fait ils sont beaucoup moins nombreux. Donc ils ont pu se permettre pour la NES de faire des sprites plus grands. Enfin, je comprends pas ce que c'est les étoiles. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus buggés que. Tire! Bon, il avait pas envie de tirer. Vous voyez que la maniabilité est toujours aussi rigide, hein. Même dans les FIFA, ça change pas. Maniabilité rigide. Vite! Bon, je sais pas trop comment il a arrêté, mais c'est pas grave. Enfin, avec son pied, bon. Si on veut. C'est assez bizarre comme arrêt, mais c'est pas grave. Bon, le bouton B, il sert vraiment à rien du tout, et le bouton A, il sert à tirer. Là, je viens de me faire tacler. Mais dommage qu'il n'y ait pas d'animation quand on se fait tacler. Comme le joueur qui tombe. Voilà. Vous voyez que c'est quand même assez chaud. Surtout que. Mais que en fait, ce jeu-là, j'y ai presque jamais joué. C'est vraiment le seul jeu de NES auquel j'y ai jamais joué. Donc voilà, quand on joue pas une seule fois un jeu. Enfin, si, quand on y a joué, mais il y a très très longtemps, et ben, on joue quand même comme une grosse merde. Bon, d'habitude, les jeux vidéo, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Mais moi, ça s'oublie pour ce jeu-là, parce que je crois que je l'avais fait qu'une fois. Non, vraiment pas beaucoup de fois. Donc voilà. Sinon, j'ai envie de vous faire pas mal de vidéos sur la NES. Parce que bah, j'ai pas mal de jeux et j'ai envie de tous vous les montrer. Et merde! Peut-être aussi pas mal bah, de jeux de Wii, oui, bien sûr. Et de GameCube, surtout. Sinon, la Wii U, et bah, pour l'instant, ouais, on a pas mal de jeux, mais. Ce sera peut-être pas tout de suite. Parce qu'il faudrait que je fasse un peu les jeux pour que je vous dise mon impression après. Parce que, par exemple, Mario 3D World, je suis pas rendu très loin. Bon, j'aurais pas dû vous dire quel jeu j'avais sur la Wii U, mais c'est pas grave.
Ou Rayman Legend, de toute façon, vous le savez, celui-là. Parce que j'avais fait la démo sur PC. Et je lui avais dit que j'allais l'avoir. Donc voilà, hein, il n'y a plus rien à dire sur ce jeu. Hein, Gaul. Un jeu fait par. Jaleco, peut-être. Je connais pas cette société. Et bien sûr, Listen B Nintendo. Bah, évidemment, parce qu'on est sur la NES. Donc voilà, vous avez vu à peu près tout ce que c'est. Bah, la plupart des trucs qu'on peut faire avec ce jeu. La plupart des possibilités. La plupart des différentes possibilités qu'il y a. On peut faire un tournoi. Je pense qu'on peut jouer à deux, donc ça doit être pas mal. Enfin, pour l'époque. Et on peut jouer à deux aussi, tout simplement, un match simple. Bon, attends, je vais vous montrer le tournoi. On va voir comment c'est déroulé. Bon, bah voilà, c'est très simple. Bon, par contre, on n'a pas le droit de trop choisir nos équipes, comme on peut le voir. Bon, bah voilà, après, c'est un match tout court. Hein, et je joue encore comme une merde. Mais voilà, je me fais tacler. C'est n'importe quoi, ils font des passes de psychopathe. Si ça se trouve, je les ai mis en difficile, hein, j'en sais rien. Bon, par contre, on se demande d'où il sort l'arbitre, hein, pour se téléporter comme ça, d'un coup. Il fait à la Sangoku, là, téléportation instantanée. Je sprint pour tirer. Quel tir magnifique! On voit vraiment la 3D hein, dans ce jeu. Enfin voilà. C'est tout et. Sinon, je vais vous dire que. La plupart des jeux sur Wii U que je pourrais vous faire. Par exemple, Batman Arkham City. Hein. Injustice pour ceux qui l'ont pas vu, peut-être. Ce serait peut-être bien de s'y coller et de l'avoir, non? Faudrait qu'il y ait un peu plus de vues parce que pour l'instant, je suis qu'à 20 vues. Pour l'instant. Mais plus tard. Dans un an, je serai à 25 vues. Ce sera une autre histoire. Et ce sera aussi une victoire pour cette vidéo et une défaite pour ce match. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Bon, vous allez voir pour la deuxième fois la magnifique animation. S'il la montre. Ou peut-être que j'ai appuyé sur Start sans faire exprès. Bon, bah c'est pas grave. Vous avez pas vu la magnifique animation de Psychopathe? Non mais franchement, on dirait un jeu HD quand on voit ça, c'est... Non mais c'est vrai que c'est pas mal pour un jeu de NES. Donc voilà, pour un jeu de sport, hein, franchement, il se situe dans les meilleurs jeux de sport de l'époque. Bon, je me suis complètement journée. Mais il se situe dans les meilleurs jeux de sport de l'époque, parce qu'à l'époque, comme jeu de sport, il y avait que de la merde. On pouvait presque rien faire, à part bourriner le bouton A, si vous avez vu la vidéo de Joueur du Grenier sur les jeux de sport. Et donc voilà, il n'y avait que des jeux de merde à l'époque, hein. Des jeux de merde de sport, ils se sont rattrapés avec, plus tard, tout simplement, sur des consoles 120 bits, 128 bits, pour être précis. Console GameCube, PS2 et Xbox. Et à Dreamcast que j'allais oublier, mais bon, pas très important. Et bah voilà. Hein. Donc pour moi quand même, c'est quand même un très bon jeu quand même. Très bon jeu de sport hein, pour un jeu de sport. Sinon, bien sûr, il se fait laminer par la plupart des autres jeux de NES quand même. Des jeux de plateforme qu'il y avait. Ou des jeux RPG comme Final Fantasy, bien sûr. Tout le monde connaît ça normalement. Enfin, moi je l'ai pas Final Fantasy, mais sur la NES, non. En même temps, je pense pas qu'il soit sorti en France. Enfin voilà, et voilà, je viens de me prendre encore 3-0, je fais n'importe quoi. En fait, j'ai un peu la flemme de jouer. C'était une excuse, mais c'est une excuse. Je sais même pas comment passer. Ah, si, je viens d'apprendre comment faire pour passer. C'est le bouton B en fait. Le bouton B il sert pas à rien en fait. Il sert non seulement à changer de joueur quand on n'a pas la balle, mais en plus à passer après quand on a la balle. Donc voilà. À peu près les mêmes systèmes que dans les FIFA ou les PES. Plus tard.
Bien plus tard. Il faudrait que je voie en combien il a été fait ce jeu. En combien il a été fait? Un petit reset. 1989, voilà. Bon voilà, c'était pour la fin de la vidéo, hein. Je voulais absolument voir la date que je n'avais pas vue. Car elle est écrite vraiment petite. Vous l'avez sans doute vue dès le départ, vous. Voilà. Mais moi, je me concentre pas sur la date. Je me concentre surtout sur ce que je vais dire. Sur ce jeu et... Bon, je vais pas vous donner la note comme ça, hein, puisque je préfère y réfléchir et la mettre sous la description. Ce sera peut-être un peu mieux. Bah, comme d'habitude, hein, je préfère maintenant faire comme ça. Voilà, vous voyez, c'est pas moi qui joue. Hein. Ah, mais si, c'est moi qui joue là. Là, je viens de faire un tir là, avec le bouton A, et voilà, je viens de marquer. Vous voyez, quand on veut, on peut. Et quand on veut pas, on peut pas, voilà. Non, mais franchement, quel. C'est vraiment incroyable ce que je dis. Non, c'est pourri, voilà. Et donc, en gros, ce jeu Goal, bon, il a un nom très original, hein. Mais voilà, c'est un bon jeu pour l'époque, un bon jeu de sport, même l'un des meilleurs jeux de sport qu'il y avait à l'époque, ça c'est sûr. Et puis graphiquement, quand même, il en jette quand même avec le petit joueur à côté là. Pour de la NES, bah, ceux qui avaient la NES, ils pouvaient un peu se la péter là. On pouvait jouer entre potes facilement à ce jeu-là, parce qu'on peut jouer encore une fois en même temps, et c'est ça qui est énorme. Donc voilà, sinon, sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures, et je savais pas que cette vidéo avait déjà duré 22 minutes. Bon bah, je vous dis salut !